Encore une année de plus et des leçons à tirer. J'ai appris à respirer malgré ce foutu virus. J'ai changé et pris des rides, mais je crois que ça en valait la peine. En luttant contre le Covid, j'ai retrouvé une vie saine. Sur le futur, j'avais des vues mais pas de vision. J'avais des doutes sur mes projets. Tout était flou à l'image de mes ambitions. Je ne savais plus où donner de la tête. Quand mon cœur sentait victoire, ma raison pensait défaite. Alors, j'ai pris les rênes de ma vie et les ai confiés à quelqu'un pour que mes rêves soient assouvis et que je retrouve le bon chemin. J'ai mis l'ego de côté, les pensées limitantes, je les ai faites sauter, de façon à trouver la paix dans un brouillard de problèmes. Du travail psychologique, il était temps que je fasse mon baptême. Même si j'aurais pensé réussir, en ne me fiant qu'à ma boussole, aujourd'hui j'admets que pour grandir, j'avais besoin d'une autre épaule. Elle a remis un peu de bonheur dans une vie devenue trop sombre. Elle a remis un peu de couleur là où le soleil avait mis des ombres. Elle me disait quand tu pleures, ça me rassure. C'est le meilleur des remèdes pour guérir tes blessures. Tu seras fier de tes efforts quand tu retrouveras le sourire. Tu accepteras tes torts, ils ne te feront plus souffrir. Ça faisait du bien de se défaire de mes doutes, mes angoisses, mes colères. À toutes ces pleurs, ces douleurs, ces insomnies, ces réveils en pleine nuit, j'ai enfin remis à l'heure toutes les pendules de ma vie. Alors, j'ai vu le ciel se dégager et ma mère me regardait. Si le soleil apparaissait, c'était bien elle qui rayonnait. Elle était fière de moi. J'espérais tant pouvoir l'entendre. C'est plus facile pour croire en soi quand les yeux de ta mère te permettent de comprendre que l'espoir est apparu pour renaître de ses cendres. Même si j'avoue que j'en ai bavé, j'étais pas loin même d'en saigner, mais l'amour peut-être savait qu'il était venu m'apprendre et m'enseigner. Vivre tout ça comme une rupture, mon cœur n'aurait pas supporté. Des sentiments si opposés à ce que pour elle, il a supporté. Il est de ceux, affectueux, un peu mielleux et crémeux. Et quand il la regarde, il dit encore et toujours « Je t'aime ».